Alors ça, je ne peux pas y croire. Qu'est-ce que tu ne peux pas croire, Annunciation? Que j'ai essayé de sauver l'âme de ma sœur? Je ne savais pas que tu étais le frère de Dieu, parce que jusqu'aujourd'hui, je pensais que Dieu, et seulement Dieu, était le seul capable de sauver l'âme de simples mortels. Ça ne te regarde pas, Ignacio! Te mêle pas de ça! Bien sûr que si, ça me regarde. Mon frère et ma sœur se disputent. Je ne me dispute avec personne, Ignacio. C'est plutôt Francisco qui s'obstine à garder les yeux fermés. Moi? Oui. Moi, je garde les yeux fermés. Eh bien, tout au contraire, ma sœur, je les garde bien ouverts. Et je ne veux pas que tu commettes une erreur que tu regretteras. Je vais résoudre ça en sortant cet homme de l'église. Non, Ramiro. Ramiro, s'il te plaît. Francisco doit être ici. Je veux qu'il soit là. Tu vas commettre un péché, Annunciation. Un péché terrible. Tu vas te condamner. L'amour, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est l'un des messages les plus clairs de Dieu. Il ne manquait plus que toi, Francisco. Parce que les personnes que j'aime le plus sont ici. Et Dieu aussi est avec moi. Allez, s'il te plaît, Francisco. Pourquoi chaque fois tu crois avoir raison? Ce mariage, c'est aussi de ta faute. Ça n'est pas par faute, Francisco. C'est par amour. Tu sais que nos parents auraient tous les deux été très heureux que leur seule fille puisse se marier et ainsi être heureuse. Je te le demande, s'il te plaît, Francisco. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Fais-le au moins pour notre mère. C'est d'accord. J'accepte le mariage. Mais si je le fais, c'est pour la mémoire de ma mère. Merci. On continue. Et maintenant, nous pouvons continuer la cérémonie. Y a-t-il quelqu'un ici présent qui s'oppose au mariage d'Annunciation et de Ramiro? S'il y a quelqu'un, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Si tu es ma mère, alors mon père, c'était mon père. Je sais, c'est un coup très dur pour toi, ma fille. Un coup très dur? Tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un coup très dur pour moi. Le fait que ma mère m'ait abandonnée, ça, c'est dur. Ça, ça a été un coup dur pour moi. Je regrette, Rosita, je te l'ai déjà dit. Oui, mais tu n'as jamais été là pour moi. On ne m'a jamais traitée comme une enfant. C'est pour ça que je t'ai effacée de ma vie. C'est mon père qui m'a élevée tout seul. Cet homme n'était pas ton père. Ça suffit, tais-toi. Tu n'as pas le droit de me dire tout ça. Tu ne vas pas me voler le père que j'ai eu. Rosita, ma fille, je regrette. C'est faux, tu ne regrettes rien du tout. Je ne veux rien te voler, Rosita. Simplement, je ne veux pas continuer à te mentir. Quand je suis tombée enceinte, je n'ai pas su quoi faire. J'étais désespérée. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. J'étais amoureuse d'un homme irresponsable. Un homme qui ne s'attachait à rien. Qui n'avait aucun travail. Je m'en fiche, ça m'est égal. Ça ne doit pas t'être égal, ma fille. Écoute-moi, j'étais désespérée. Et je me suis mariée avec cet homme que tu as connu comme père. Et je lui ai fait croire que tu étais bien sa fille. J'allais très mal. Et quand tu t'es sentie mieux, tu es partie, c'est ça, n'est-ce pas? Je n'aimais pas cet homme. Je ne veux plus jamais te revoir. Rosita, s'il te plaît, moi, j'ai fait ça pour ton bien. Je voulais que tu puisses avoir un père. Ce dont j'avais besoin, c'était de ma mère. Et où était-elle, cette mère qui m'a manqué pendant toutes ces années? Où était-elle? Ici. Oui, ici. Je suis revenue pour être à tes côtés. Pour que l'on puisse vivre ensemble. Vous avez perdu votre temps, madame. Maintenant, moi, je n'ai plus besoin d'une mère. Pour moi, ma mère est morte il y a de nombreuses années de ça. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Non, mon
papa, non. Mon papa, non. Non, mon papa. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ramiro? Moi, Ramiro Pascal. Je te prends pour épouse, Annonciation. Je te promets de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous déclare donc mari et femme. Vas-y, tu peux embrasser la mariée. Mes félicitations. Merci. Félicitations. Merci, mon ami. Mon amour, il faut que je fasse quelque chose de très, mais très important. Mais il va falloir que tu m'aides. Aucun problème, je vais t'aider, maman. C'est ce que je voulais entendre. Il faut que tu restes ici tout seul. Je vais me dépêcher, je vais aller faire quelque chose d'important et ensuite je reviens te chercher. Et je ne peux pas venir avec toi ? Non, mon chéri. Je vais me dépêcher. Je reviens vite te chercher. Mais promets-moi que tu ne vas pas bouger. D'accord, je te le promets. Bien. Adela ? Oui, Margarita. Il faut que tu me rendes un service. Compte sur moi, ma belle. En quoi je peux t'aider ? Pour le baptême de mon fils. Ah, mais tu m'as promis que j'allais être la marraine. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Attends un instant. Monsieur Francisco, attendez un instant, s'il vous plaît. Il faut que je vous demande un service. Je sais que tu vas mal, ma fille. Je ne veux pas vous voir. Tu veux bien m'écouter, ma fille, s'il te plaît. Ne m'appelle pas ma fille. Oui, vous m'avez mise au monde. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Vous avez décidé de ne pas être ma mère. Et aujourd'hui, je décide de ne pas être votre fille. Moi, je ne suis plus très jeune. J'ai besoin de ton aide. Nous pourrions vivre ensemble. Comment ça, vivre ensemble? Mais pourquoi? Peut-être que vous pourrez m'accompagner à mon premier jour d'école? Ou peut-être que vous allez me serrer dans vos bras quand je tremblerai de peur de devenir une femme? Je regrette. Je regrette de ne pas avoir été là. Peu importe. C'est mon père qui m'a accompagnée. Et cela tous les jours, pour aller à l'école. Et quand il s'est rendu compte que j'allais être une adolescente, il m'a emmenée chez la voisine. Et cette voisine m'a expliqué tout ce que je devais savoir. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi, vraiment, pardonne-moi. Bon, on ne peut pas me refuser ça. Je veux porter un toast. On ne se marie pas tous les jours. Je veux trinquer aujourd'hui au bonheur de ma chère sœur. Allons-y. Et à celui de mon ami. Qui, pour ton information ? Et depuis quelques minutes, non seulement ton ami, mais aussi ton beau-frère. Pour en revenir à notre toast... Je sais déjà ce que tu vas dire, Ramiro. À moi non plus, ça ne me semble pas une bonne idée, Ignacio. Ça a déjà été suffisant que ton frère vienne à l'église, se montre et accepte notre mariage, non? C'est vrai. Je ne suis pas sûre qu'il faille forcer davantage les choses. Vous avez sans doute raison. Ça a été un miracle. Moi, à vrai dire, c'est que quand je l'ai vu apparaître, je... Nous avons tous pensé au pire. Mais c'est vraiment bien qu'il ait pu réfléchir. Nous allons faire une chose. Et si nous reportions le toast à notre retour de lune de miel? Vous allez partir en lune de miel? Oui. Je viens de l'apprendre aussi. Oui, pour 3 jours. J'ai déjà réglé cela à l'hôpital. Ainsi, nous avons 3 jours de lune de miel. Non, bon, mais 3 jours, c'est bien trop peu. Allez, allez-y, je vous laisse, allez-y avant... que je ne fasse mon grand sentimental. Mais, ma sœur, je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu mérites ce qu'il y a de mieux.
ce qu'il y a de mieux. Et à toi, je vais te dire deux choses. La première, je te l'ai dit car je suis ton ami. Je te souhaite aussi tout le bonheur du monde. Et la seconde, je te l'ai dit en tant que beau-frère. Si tu rends ma sœur malheureuse, si tu lui fais quelque chose, tu auras affaire à moi. C'est une menace? Évidemment. Tu veux boxer? Allez, viens. Allez. Voilà mon père. Puisque nous sommes ici et que les parrains et marraines aussi, je me permets, mon père, de vous demander ça. Tu me prends par surprise, Margarita, mais nous le ferons. Tu veux baptiser Frigolito et c'est ce que nous ferons. Merci beaucoup, mon père. Bon, je prépare tout. Merci. Mon amour, viens. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai parlé avec le père Salvador et nous allons te baptiser tout de suite. Ça n'est pas ce que tu voulais, mon chéri? Ah oui, oui, je veux réellement me faire baptiser. Mais tout de suite, ça ne va pas être possible. Mon parrain, il est déjà parti. Non, mon amour, ton parrain est ici. Ce sera Monsieur Francisco. Mais moi, je ne veux pas que ce soit lui. Mon vrai parrain, il n'est pas là, mais je veux que ce soit Nacho. Non, mon cœur, tu n'as pas de parrain parce que tu n'es pas encore baptisé. Et quand les gens ne sont pas baptisés, ils ne peuvent pas déjà avoir de parrain. Bon, alors je vais le chercher tout de suite et ensuite je reviens après pour qu'on me baptise. Viens, mon chéri, viens. On va te baptiser tout de suite. Et ton parrain sera le papa de Dulce. Peut-être que tu n'aimes pas ton amie Dulce? Mais bien sûr que je l'aime. Elle fait partie de mes meilleures amies. Alors que vas-tu lui dire quand tu la verras? Que tu n'as pas voulu de son papa pour parrain? Je crois que ça ne lui plaira pas que tu aies rejeté son papa, non? Non. Alors on va te baptiser tout de suite et tes parrains et marraines vont être Adela et Monsieur Francisco, le papa de Dulce, d'accord? D'accord, maman. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette tête d'enterrement? Rosita ne veut plus me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais planifié de vivre avec ma fille. Chaque jour, il est plus difficile pour moi de vivre. Je ne trouve plus d'argent comme avant. Et qu'est-ce que tu voudrais? Peut-être que Rosita t'entretienne? Je suis sa mère, non? Ah oui, bien que tu ne l'aies pas élevée. Excuse-moi, j'oubliais, pardon. Et en fait, Rosita te l'a sûrement fait payer. Parce que tu l'as abandonnée et c'est pour ça qu'elle ne te parle plus, c'est ça? Il s'est passé autre chose. Quoi? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit toute la vérité. Et quelle vérité? Rosita sait déjà parfaitement que tu es sa maman. Mais elle ne savait pas que celui qu'elle croit être son vrai père n'est pas son père. Quoi? J'ai menti à ma fille, Juan. L'homme qui l'a élevée n'est pas son père. Rosita, tu es en train de me faire peur. Tu as l'air d'aller très mal. Dis-moi ce qui t'arrive, s'il te plaît, allez, raconte-moi tout. Ma mère est venue aujourd'hui. Elle m'a dit que mon père n'était pas mon père. Ne me dites pas que vous le saviez. Ma fille, s'il te plaît. Ne m'appelez pas ma fille. Je ne suis pas votre fille, je suis la fille de personne. Parce que moi, je n'ai même pas eu de père. Même pas ça. Allons, laisse-moi t'aider. Ne me touchez pas. Je ne veux pas discuter avec vous, vous êtes une menteuse. Et je vais encore moins parler avec la pire de toutes les menteuses. Avec ma sœur. Pourquoi je dis ma sœur? Margarita n'est même pas ma vraie sœur. Annonciation, tu es là?
Oui, je suis ici. Allume la lumière, je ne vois rien du tout. Non, je ne veux pas. Quoi? Comment ça, tu ne veux pas? La lumière me fait peur, Ramiro, très peur. Mais je suis ton mari. Nous sommes mariés. Je le sais. Mais je suis morte de peur. Morte de peur. Je t'aime, Annonciation. Je t'aime. J'ai encore peur. Peu importe. Je vais continuer à t'aimer jusqu'à ce que la peur s'en aille. Et je me suis mise à pleurer comme une idiote, c'est que j'ai beaucoup été émue avec mon filleul, parce que bon, depuis qu'il est né, je savais que j'allais être sa marraine. Mais une chose est de le savoir et une autre de le vivre, vous me comprenez, mon cher David. Oui, mais ça m'inquiète. Cela vous inquiète que je sois la marraine de mon filleul? Que vous n'arrêtiez pas de parler pour respirer, voilà ce qui m'inquiète un peu. Respirez de temps en temps, Adelita. J'ai peur de me retrouver veuf avant que nous soyons mariés tous les deux. Ça, c'est un sous-entendu, mon David. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous voulez quelque chose? Un petit café? Merci beaucoup, David. Ça me ferait bien plaisir. Dites-moi où vous voulez le prendre et je vous l'apporte. Eh bien, dans le salon, s'il vous plaît. C'est quoi cet uniforme? Il est à Margarita. Madame Lucrezia m'a demandé de le remettre à sa place, mais j'ai oublié. Excusez-moi, monsieur Francisco. C'est bon, Adela. Ne vous inquiétez pas pour ça. N'oubliez pas mon petit café, David. Bien. Et alors, j'ai pensé qu'on pourrait aller en Suisse. Il y a là-bas l'une des meilleures stations de ski. Mais ensuite, je me suis dit, non, idiote, nous sommes en été, il n'y a pas de neige. Alors, il nous reste le sud. Qu'en penses-tu? Et qu'est-ce que je pense du sud? Oui, le sud, bien au sud. En août, il y a de la neige. Quoi, l'Antarctique? Mais non, depuis quand as-tu vu des gens skier en Antarctique? Pourquoi? En Antarctique, il n'y a pas de neige ou quoi? Oh, mais mon amour, je te parle de ces endroits où les gens vont skier et au passage, on pourrait... Et au passage, il faut penser au bébé. Quel bébé? Comment ça, quel bébé? Celui que tu attends. Ou alors c'est une indigestion plutôt qu'une grossesse? Ah oui, bien sûr, le bébé. Oui, le bébé, notre bébé. Oh, tu es si mignon de penser à notre enfant. Chantal, je crois que nous allons remettre le ski à une autre fois. Une femme enceinte ne peut pas prendre ces risques. Pourquoi tu ne penses pas plutôt à une lune de miel, je ne sais pas, plus tranquille. Pense à autre chose. Ma mère m'a raconté ce qui s'est passé. J'imagine combien tu souffres, Rosita. Sale menteuse! Et je ne veux pas t'écouter! Parce que toi aussi, tu mens autant que ta mère! Malgré tout, je veux te dire que... moi, je sais à quel point tu souffres. Et moi aussi, j'ai eu un père, qui, comme le tien, est parti aussitôt. Je n'ai jamais eu un endroit où déposer une fleur. Je n'étais qu'une enfant. Et j'ai senti que mon papa ne m'aimait pas. Il t'aimait. Il me parlait toujours de toi. Seulement, il a disparu. Non seulement il a divorcé de ma mère, mais il a divorcé de moi aussi. Et je l'ai détesté. Je ne savais pas qu'il avait une autre fille, et je l'ai détesté. Je ne suis pas sa fille. Je ne l'ai jamais été. Non, tu te trompes, Rosita. Il a été plus ton père que le mien. Et si tu es ici, c'est parce que je t'ai toujours aimée comme ma sœur. Je suis ici car on a eu pitié de moi. Tu éprouves peut-être de la pitié. Pas moi. Dans cette maison, personne n'a pitié de toi. Ne va pas confondre l'amour avec la pitié, Rosita. Ne confonds pas cela. Tu
Tu sais, si je suis en retard à la maison, c'est parce que je suis resté pour un baptême. Tu étais à un baptême? Oui. Et devine de qui j'étais le parrain. De qui? Bien plutôt de qui je suis le parrain. Parce que être parrain, c'est pour toujours. Alors, tu veux savoir de qui? Oui. De ton petit ami. De Frijolito? Oui, de Frijolito. Adela est la marraine et je suis le parrain. Donc toi, tu comprends, tu es ma fille et Frijolito, c'est mon filleul. Ça me plaît beaucoup que tu sois le parrain de Frijolito. C'est gentil, mon amour. Je sais que les liens du sang sont forts. Parce que j'ai un enfant. Et je mourrais s'il lui arrivait quelque chose. Mais je sais aussi qu'il y a autre chose que les liens du sang. Il y a ceux du cœur. Je voudrais être seule. Quand mon père a disparu, j'aurais pu m'en aller de la maison et alors, je n'aurais jamais plus eu de nouvelles de toi. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi comme ma sœur. Mais nous ne sommes pas sœurs toutes les deux. Tu te trompes encore une fois. Les liens du sang, ça n'est pas ça qui m'a fait dire que tu étais ma sœur. Ce sont les liens du cœur. Mon cœur t'a choisi. Et il t'a choisi pour toujours. Parce que je veux que tu sois ma sœur de cœur pour toujours. Je voudrais tellement être ta sœur de cœur pour toujours, Rosita. Parce que moi, je te vois comme ma sœur. Et aussi parce que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et j'aimerais aussi que tu sois ma sœur pour toujours, Margarita. Mais non, bien sûr que non, ma chérie. C'est Margarita qui m'a demandé d'être le parrain de...